Le repos biologique est encore d'actualité cette année. Pour 2024, la fermeture des pêches concernera tout le pays. L'annonce faite par le ministre des Ressources animales et halieutiques s'exécutera selon un calendrier propre à chaque segment. En prenant à nouveau cette décision, le ministre Sidi Thiémoko Touré, chargé des Ressources animales et halieutiques, s'engage à restaurer le patrimoine halieutique national en offrant des conditions de travail et de vie décentes aux acteurs. Les résultats satisfaisants obtenus auxquels le repos biologique précédent témoigne de la totale adhésion et du sens du sacrifice qu'elle vaut dire. Je vous encourage donc à maintenir ce cadrage de revenus durables pour vous. En respectant cette mesure d'importance capitale, les acteurs contribuent à la préservation des stocks de poissons et à la durabilité de l'activité de pêche. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, le secteur de la pêche compte près de 100 000 emplois directs et plus de 680 000 emplois indirects en Côte d'Ivoire.